Okay, merci. On constate que pour la plupart des pays de l'OCDE, que les indicateurs sur le financement de PME sont plutôt favorables. En 2014 et surtout en 2015, on observe une amélioration des conditions, même de temps en temps des sources non bancaires. Et la France n'est pas une exception dans ce regard. Le taux d'intérêt sont très bas, les conditions sont assouplies. Et on voit que année par année, il y a une croissance, une faible croissance, mais une croissance quand même, des prêts aux PME. Et ce qui est surtout visible en France est qu'il y a plus d'un écart entre les entreprises, les PME qui sont matures, qui sont stables, qui sont plus grands, qui sont rentables. Pour eux, il est devenu assez facile d'obtenir du financement aux conditions intéressantes. Mais pour des micro-entreprises ou les entreprises innovantes ou des start-ups, c'est devenu peut-être encore plus difficile qu'il y a quelques années. La banque ne veut plus prendre beaucoup de risques et on voit qu'il y a plus une divergence entre les stables PME et les micro-entreprises et les entreprises innovantes et risquées.